Est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans le public? Bon, il n'y a pas de questions. Ça me permet, hein, j'ai envie de... C'est sûr qu'on a guignoté beaucoup de temps, mais vous avez dit tellement de choses que j'ai envie de vous montrer quelque chose qu'on est en train de faire, mais on ne se rend pas compte. Vous savez, les États-Unis, sont le pays le plus développé. Il y a quelque chose qui les a beaucoup aidés. C'est l'écriture. C'est l'écriture, n'est-ce pas, de ceux-là même qui ont découvert le développement personnel, de ceux-là même qui sont tombés, qui se sont relevés, de ceux-là même qui sont devenus des multimilliardaires. Leurs histoires ont beaucoup impacté plusieurs personnes dans le monde. Leurs histoires nous ont impactés, nous. Vous ont impacté. Vous vous souvenez quand on a commencé Kikenmien, la liste des livres, hein, c'était pratiquement tout, en grande majorité les auteurs américains. C'est progressivement que maintenant, on essaie d'introduire quelques auteurs africains qui écrivent dans le domaine du développement personnel. Et c'est parce qu'il y avait ces écrits que les autres, les jeunes américains et autres, pouvaient avoir des sources d'inspiration. Ceci pour dire que quoi? Ceci pour dire que Mani, écris rapidement ton livre. Que chacun ici écrive rapidement. Ceux qui sont capables de le faire, n'hésitez pas de le faire. Plus il y en aura, plus je vous dis, on va voir, n'est-ce pas, un avenir meilleur. Pourquoi? Parce que les gens auront des outils. Les gens auront des inspirations. Les gens auront le choix. Les gens auront à travers ces écrits-là, n'est-ce pas, la motivation. On dit souvent qu'on ne lit pas beaucoup les Africains, mais on écrit non plus beaucoup. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas beaucoup qu'on ne vulgarise pas trop les écrits? Quand je dis on n'écrit pas beaucoup, c'est beaucoup plus. Bon, les livres académiques, même parfois, ce n'est pas nous aussi qui écrivons. Donc, est-ce que la problématique n'est pas plus celle du fait qu'on n'écrit pas beaucoup comparativement au fait que les autres aussi ne lisent pas beaucoup? Est-ce que la problématique n'est pas au niveau de la vulgarisation même de ces écrits-là? Est-ce qu'on vulgarise beaucoup les écrits ou alors les auteurs? Est-ce qu'ils sont célébrés? C'est sûr que nombreux, hein, nous sommes une génération, si je pense plutôt que la génération des millénials, hein, c'est surtout eux qui devraient, n'est-ce pas, en profiter, parce que dans la mesure où les écrits au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive avec les écrits au jour d'aujourd'hui? C'est que nous sommes arrivés à un stade où, comme vous voyez, il y a l'effervescence sur les réseaux sociaux, les gens qui essaient de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont faire l'entrepreneuriat et tout, ça se vulgarise parce qu'on en parle, ça intéresse les gens. Et puis, ceux-là qui réussissent viennent aussi faire des témoignages. Et c'est ça qui encourage, ça galvanise les autres. C'est pour ça que si on prend l'écriture, n'est-ce pas, de pouvoir écrire dans ce sens-là, les autres aussi seront encouragés de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont lire, eux aussi de leur côté. Donc, le plus important, mais si j'ai une chose à dire, dans tout ce que nous faisons, le plus important, c'est de pouvoir reconnaître la propriété intellectuelle. Si on le fait en reconnaissant la propriété intellectuelle, si on le fait en citant à chaque fois, ça va être tout à fait normal. Je veux dire, ce serait tout à fait normal, tout à fait correct. Il n'y aura pas de problème. On peut écrire des livres, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je peux écrire, tu peux écrire, l'autre peut écrire, l'autre peut écrire. Mais tant que ça se fait en termes de citation, tant que dans la table de matière, qu'on essaie de voir là-dedans qu'on s'est inspiré de telle chose, on s'est inspiré de telle chose. Je vous assure, il n'y aura bien au contraire, c'est ce qu'on fait avec les Occidentaux. C'est ce qu'on fait avec leurs livres. C'est, même quand on écrivait à l'école, là, tu as pris ce livre-là, tu as ouvert, tu as écrit, tu as fait un cours à tel niveau. Je me souviens encore, la dernière fois que j'écrivais à l'université, je citais même les cours. Le cours d'un de nos enseignants, elle avait bien fait les recherches et tout. Je citais même carrément son cours à la fin, dans la table des matières. Pour dire que les écrits
Je vous dis là, c'est une clé. Nous sommes en train de résoudre des problématiques en tant que communauté. Vous allez voir que ceux-là qui ont été, nos aînés qui ont été, n'est-ce pas, ils ont créé beaucoup de richesses avant, ils sont partis sans avoir écrit. C'est peut-être la raison pour laquelle on a vécu tout ce qu'on a vécu là. C'est-à-dire tout ce moment de calme, de pas de... Il n'y a pas eu de duplication nulle part. Ça peut être une explication, on ne sait pas. Donc, écrit, quand on essaie de voir le modèle américain, on se rend compte que écrit, vraiment, je vous dis là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on est en train de bâtir. Encore plus, les femmes. Encore plus, c'est-à-dire quand je citais là les raisons pour lesquelles est-ce que Lina était ici, j'ai omis de marquer, de préciser qu'elle est une femme, une mère, elle vous l'a dit. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est encore l'adversité sur l'adversité. C'est encore des éléments, n'est-ce pas? Une chance qu'elle a reprécisé cela. C'est-à-dire que pour un homme écrit, ça peut... c'est pas trop, trop compliqué. Là. Donnez-moi un peu de temps, je descends dans mon bureau, je me concentre, j'ai du temps pour écrire. Mais la mère, ce n'est pas facile. Quand on sait qui est-ce que nous sommes, notre communauté africaine, on sait que faire ce qu'elle a fait n'est pas facile. Et même l'inspiration des femmes, regardez très bien, l'inspiration des femmes n'est pas pareille par rapport à l'inspiration des hommes. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la femme a ce petit truc que quand elle prend sur elle de vouloir résoudre une problématique, vraiment, ce n'est pas le féminisme que je suis en train de faire ici, hein, mais prenez le temps de lire quand il s'agit, n'est-ce pas, des différents auteurs. Vous allez voir les différents impacts. Quand la femme s'investit, c'est comme si elle étant quelqu'un qui a vécu un certain nombre de choses, je ne sais pas comment elle est constituée, peut-être elle a beaucoup de difficultés pour pouvoir arriver là, mais quand elle y arrive, prenez le temps, faites l'expérience de lire, vaincre malgré l'adversité, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, il y a une inspiration assez, je ne sais pas, particulière, qu'à l'intérieur, vous allez toucher du doigt. Prenez le temps de le lire. Prenez le temps de l'offrir en cadeau. Prenons la chance de l'anniversaire d'un de nos enfants. On lui offre un livre comme celui-là. On lui offre un livre à la place, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a l'habitude d'offrir pour les encourager à lire. Déjà, quand les enfants vont voir leur mère a écrit, je ne sais pas si vous voyez, au-delà, n'est-ce pas, de ce petit livre pour lequel vous allez payer, à peine 20 dollars, vous serez en train de contribuer à l'essor de notre continent. Vous serez en train de contribuer à l'existence réelle même de notre continent, de notre communauté, à travers 20 dollars qui ne représentent rien. De l'offrir à quelqu'un, vous serez en train de l'aider à changer sa vie. Parce que oui, il peut aller. Même seulement, vous savez, moi ce que je reproche, si je peux appeler ça un reproche, mais je ne pense pas. Ça, c'est moi, vraiment, ça, c'est moi. Au jour d'aujourd'hui, la seule petite chose que je vois comme petite problématique dans l'écrit, c'est que comme on est en train d'entraîner les gens à aller lire, écrivons moins volumineux. Mais pour ce qui est de ce livre, Vaincre malgré l'adversité, quand vous l'ouvrez, il a ceci de particulier, je ne sais pas si nombreux, si l'on fait la maille, tu vas me dire, tu vas voir que déjà, c'est écrit en double interligne, n'est-ce pas? Et puis, la police est très, très bien et même sur la page. Donc, ça fait que c'est quelque chose qui se lit très facilement. Et puis, on n'est pas coincé. Les lignes ne commencent pas loin ici au fond ou quand tu veux tourner la page. Tu peux le lire étant dans toutes les positions que tu veux. Ça aussi, c'est une plus-value de ce livre-là. Qui fait que oui, ça peut être 200 quelque chose de pages, mais vraiment la façon dont il est disposé, la façon dont les chapitres s'enchaînent aussi, te donne, t'encourage à pouvoir lire. Tu es vraiment motivé de voir dans quelle mesure est-ce que, oui, beaucoup d'aération, c'est le mot, c'est beaucoup d'aération. Ça fait qu'on n'est pas tout de suite encombré, n'est-ce pas, par rapport à cela. Ça, c'est un plus pour notre communauté qui, n'est-ce pas, nous sommes en train de l'entraîner, il faut qu'on l'accepte, à pouvoir aller vers ce chemin de la lecture-là. Donc, je vous encourage, autant que faire se peut, de mettre la main, de mettre dans cette nouvelle Afrique que nous sommes en train de vouloir bâtir,
Surtout quand je vois nous, les femmes, en avant, en haut, devant de la scène comme ça, vous ne pouvez pas imaginer. Ça va faire toute une différence. Toute une différence. Je vous assure, ça va faire toute une différence dans le développement de notre continent. Au-delà du fait que ce livre-là, quand on va, n'est-ce pas, l'acheter, non seulement il va nous transformer, il va nous guérir, comme vous pouvez le voir, hein, vaincre malgré l'adversité. Il y en a qui vivent la même situation que Lina a vécue, n'est-ce pas, dans sa vie, mais sauf qu'ils n'ont pas eu l'opportunité, ils n'ont pas su aller prendre au fond d'eux, n'est-ce pas, la force nécessaire pour pouvoir continuer. Et nombreux sont restés en chemin. Nombreux sont restés en chemin, je peux vous le dire. D'abord, on le sait, c'est un secret de Polichinelle, ce que je suis en train de dire. Si elle prend sur elle aujourd'hui d'écrire et de partager, c'est dans un souci. C'est que la petite Lina qui va naître, la petite Lina qui existe déjà quelque part, où elle ne sait même pas, où elle ne s'imagine même pas, puisse avoir la chance de tomber sur ce livre et de se dire, j'ai une sœur quelque part, et voilà ce qu'elle a fait, et je vais la dupliquer et je vais la repliquer. Mais si on ne partage pas, si on la laisse sur Amazon, je ne pense pas qu'elle pourra d'elle-même voltiger, n'est-ce pas, dans nos différentes maisons. Je vous y encourage, vraiment en tant que communauté, de pouvoir le partager. Si vous l'avez déjà, offrez, n'est-ce pas, à vos enfants pour leurs différents cadeaux d'anniversaire, encouragez-les à pouvoir le lire. Il se lit très, très facilement. Je l'ai fait. J'ai véritablement une belle idée, n'est-ce pas, de ce qu'il y a dans ce livre-là pour pouvoir vous dire que ça en vaut la peine. Et quand on essaie de voir le coût, on comprend tout de suite qu'il y a beaucoup plus un souci, n'est-ce pas, de partage que d'un souci, n'est-ce pas, de pouvoir... Et de toutes les façons, hein, chaque fois qu'on résout un problème, moi j'ai l'habitude de le dire, résolvez juste les problèmes et vous allez voir comment l'argent va atterrir tout seul sur votre table. Donc, on a pris le temps, elle a pris sur elle et je vous dis, ça arrive à pic dans la communauté. On vient de passer par quelque chose où les uns et les autres peuvent se sentir, n'est-ce pas, meurtris, diminués dans leur peau, mais qu'ils prennent la peine d'aller voir la recette. La recette de non-victimisation, de persévérance et de résilience. Ces trois attitudes, ces trois, n'est-ce pas, skills, comme ils disent en anglais, vont faire toute la différence dans notre vie, dans la vôtre, comme elle a fait, n'est-ce pas, dans la vie de Lina. Je voudrais vraiment m'arrêter ici. Et si Agnès a un mot à dire, hein, un mot de fin par rapport... à, n'est-ce pas, ce chef-d'œuvre qu'elle venait de commettre, nous l'écoutons. Et ça nous fait plaisir, grand plaisir, véritablement, de pouvoir passer à travers tout cela ici ce soir. You have the floor. D'accord, merci. Pour dire un mot de fin, je vais tout humblement me rabaisser devant toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour nous écouter ce soir, pour leur dire merci. Merci de votre temps consacré à cette émission. Merci parce que vous auriez pu mettre votre temps à profit ailleurs, mais vous avez cru devoir venir nous suivre. Et ce que nous avons partagé, ce n'était pas l'argent. C'était des mots, c'était des paroles. Des paroles qui peuvent nous donner la force d'avancer. D'où ma conviction, le gros prix à payer. Ce n'est pas un prix financier. Ton temps que tu as consacré ce soir fait partie du prix qu'on paye pour pouvoir avancer malgré nos douleurs. Agnès, que vous voyez aujourd'hui, c'est une personne qui a appris à perdre, qui a souvent perdu, qui a souvent pris de mauvaises décisions, qui a souvent échoué des choses, qui a échoué encore plus récemment à certaines choses. Mais pour moi, l'échec ne signifie pas le contraire de la réussite. L'échec, c'est un bug d'un moment. C'est une difficulté spontanée. Et c'est pour ça que je vous invite dans vos vies à vous d'éviter, s'il vous plaît, de prendre des décisions définitives pour des situations qui passent parce que toutes les crises sont passagères. Toutes les difficultés sont passagères. Regardez notre hiver canadien. Pendant que l'hiver passe, c'est une difficulté quelconque. On a tellement froid. Mais qu'est-ce que nous faisons?
on s'habille comme il faut, on se protège contre le froid et on vit dans l'espoir de voir le printemps s'en venir. Les difficultés de notre vie, c'est la même affaire. C'est passager, c'est des saisons. Peut-être c'est la saison basse chez toi. Peut-être tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Peut-être tu as beaucoup de diplômes et tu ne trouves pas d'emploi. Peut-être que tu n'as pas de clients dans ton entreprise que tu as créée. Peut-être que tu as lancé ton business et tu n'as pas la clarté de ce que tu vas faire. Peut-être que tu portes un lourd fardeau de maladie. Peut-être que tu as une maladie mentale. Ou peut-être un membre de ta famille, une personne que tu aimes, souffre de la maladie mentale. Et que toutes les vaines langues disent qu'il a pris une bague, qu'il a pris une je ne sais trop quoi. Alors qu'elle souffre d'une maladie normale qui s'étudie à l'école et qu'on trouve les façons d'aider ces personnes. Peut-être que tu es en face de tellement de difficultés en ce moment et que tu te dis, mon Dieu, je suis égale à la difficulté. Le succès, c'est donc pour les autres et pas pour moi. Mais ce que je vais te dire, c'est que quand la vie te sert des citrons, fais-en des limonades. Quand la vie te sert de la douleur, transforme-la en ta plus grosse audace pour faire ce que tu aimerais, pour devenir qui tu veux devenir. Adopte cette recette, la résilience. N'accepte jamais de rester là où tu es tombé. Accepte cette recette, la persévérance. N'arrête jamais de croire que tu es capable d'y arriver. Oui, parce que tu es capable. L'échec est mince. Il t'influence peut-être, il t'effraie. Mais le succès est juste de l'autre bord, si tu oses marquer un pas supplémentaire. Mais ce qui arrive, c'est que la plupart de personnes ne veulent pas marquer le pas supplémentaire. Ils laissent leur ego parler à leur place. Ils cherchent le coupable. Ils portent plainte. Ils accusent tout le monde. Ils accusent monsieur qui lui avait parlé de telle affaire. Ils oublient qu'il avait décidé tout seul, en tant que personne intelligente, qui a un cerveau. Et il oublie aussi que tomber un moment ne signifie pas qu'on ne sera pas capable de se relever. Qui es-tu, toi, qui m'as écouté ce soir? Un perdant ou un gagnant? Si tu es une victime, ta victimisation va te paralyser malheureusement. Mais si tu oses accepter ta situation, même si tu n'en es pas d'accord, c'est déjà le premier pas. Alors, je vais te dire, quelle que soit ta situation, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, quelle que soit ta situation financière, d'ailleurs, le problème n'est jamais l'argent. Commence où tu te trouves avec ce que tu as, à croire en toi, à shifter ton schéma de pensée, à penser positif. Éloigne-toi de tes pensées limitantes. Choisis qui t'accompagne, choisis ton entourage, change ton environnement s'il le faut, change ton nom si ça demande ça. Exagère comme moi, change ton nom, change tout. Mais crée la vie que tu veux vivre. Parce que si ta vie est comme une voiture, alors c'est toi le chauffeur et personne d'autre. Merci. Je pense qu'elle a réécrit, hein? Elle a réécrit les livres là en quelques minutes. Bref, elle vous a donné le résumé. Ça vaut la peine d'aller pour entrer, n'est-ce pas, dans les profondeurs de ce livre-là. D'en faire un livre de chevet, de le lire morceau par morceau et de le relire encore pour pouvoir, n'est-ce pas, changer votre vie, personnaliser-le et aller vaincre, n'est-ce pas, l'adversité. Donc, on va s'arrêter ici. Je ne sais pas si Laurie, Gilles avait un petit mot à dire. Sinon, on va fermer. Avant qu'on s'arrête, s'il vous plaît. J'aimerais tout simplement donner mon contact. Permettez-moi. Donne mon contact. Vous pouvez me contacter par WhatsApp dans le 1514 802 9124.
514-802-9124. Ou alors, retrouvez-moi sur Facebook dans le groupe titré « Femmes déterminées et épanouies ». Demandez à adhérer à ce groupe. Vous aurez mes contenus totalement gratuits tous les jours, quasiment. Je suis Alina sur Facebook. Faites-moi une demande d'amis. Je serai heureuse de vous accueillir comme amie sur Facebook. Ou alors, venez me voir dans WhatsApp, puis on pourra regarder ensemble votre situation personnelle et pourrai partager davantage ce que je suis capable de partager avec vous. C'est un bonheur pour moi, c'est mon partage, c'est ma mission, je l'ai pris comme tel. Et c'est mon talent et comme je le dis dans mon livre, aussi vrai que le manguier ne consomme pas ses fruits, nos talents ne sont pas destinés à notre gloire. C'est destiné à servir l'humanité, servir l'autre, tout humblement, sans hausser les épaules. Ok. Merci Agnès. Tu peux écrire dans le chat ton numéro. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de noter. D'accord. Merci. S'il te plaît. Merci. Et il y avait une question sur la version anglaise du livre. Est-ce qu'elle sera disponible? Je travaille là-dessus. Le moment venu, on va vous informer. Mais ça s'en vient. Ok. Je travaille sur la version anglaise et la version numérique. Très bien. Coach Laure, tu peux reprendre la parole. Non, c'est correct. Moi, j'avais terminé. Je voulais juste, si quelqu'un d'autre, si une personne d'entre vous, toi, tu as dit, si Laurie avait quelque chose à dire. Pour qu'on non, c'est de... bon. J'avais mis ma question là et Gilles a juste relu ma question pour la version. Okay. Ah, c'était toi. C'est moi qui ai écrit dans le chat. Okay. Je lance dans le générique. Et puis, ah, merci, hein, n'est-ce pas, de vous être connecté encore ce soir. Merci pour ce partage-là. On envoie, n'est-ce pas, toute... Juste un dernier mot à coach Epiphanie. Tu peux être fière d'avoir semé, au moins, il y a cette... Mais c'est ce que je disais. Je disais que le plus important, hein, pour une mère, quand elle accouche, c'est de voir ses enfants grandir. Et vous ne pouvez pas imaginer quel est le bonheur quand j'ouvre le livre, je le lis, comme je vous dis. Parfois, on a l'impression de s'entendre écrire, de s'entendre parler. Ça fait... C'est une autre sensation. De joie, c'est un autre niveau de joie que vous ne pouvez même pas. Ça me faisait penser à quelqu'un qui me disait, à quelqu'un, on était quelque part, et puis quelqu'un me disait, tu vois ce que ça fait d'écouter ces discours que tu as aidé à écrire. Il me disait ça, il disait, le discours qu'il est en train de lire là, j'ai aidé à écrire, tu ne peux pas savoir ce que ça me fait de pouvoir l'écouter. Parfois, quand je lisais le livre, à des moments, j'avais l'impression, ah, tu ne peux pas savoir ce que ça me fait. Mais je vous dis, écrivons. Écrivons, ne nous arrêtons pas. Écrivons et écrivons encore. Écrivons, faisons qu'écrire. Vous allez voir. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que ce n'est rien, qu'on est en train de rien faire. Mais je vous dis, les 5-10 prochaines années, vous allez voir ce qu'on serait en train de réaliser dans cette communauté-là. Cette communauté qui a été taxée de non-lecteurs. Cette communauté qui a été taxée d'ahistorique, simplement parce qu'il n'y avait pas d'écrit nulle part. Écrivons sur des sujets encore, quand vous voyez des thématiques comme celle-ci, beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens s'égarent simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un livre comme celui-ci. Et vous savez, quand tu prends un livre comme celui-ci, tu envoies un enfant au pays, prenons l'exemple, tu envoies un enfant au pays, tout de suite il est fâché, il ne lit pas. Il dit, regarde ce que tante, moi je lui ai demandé, je lui ai dit que j'avais des problèmes, elle m'envoie le livre, elle est venue me donner le cadeau d'un livre. Il ne lit pas. Parfois, il va aller se connecter quelque part dans une affaire sur Facebook ou bien il va écouter quelque chose, il est en train de parler quelque part. Et puis, il voit, on lui parle de l'importance du livre ou alors de quoi. Tu vois, ça lui fait le déclic. Je vous dis, parfois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va vous dire, c'est après avoir vu, et à ce moment-là, il va courir vers ce livre-là et se dit, hey, j'avais reçu quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui m'avait fait le témoignage qu'il avait reçu le livre de Père riche, Père pauvre en cadeau. Ça fait longtemps.
Il dit que c'est quand il est venu faire ses études ici, un étudiant, c'est quand il est venu faire ses études ici en Amérique du Nord, au Canada, comme étudiant étranger, qu'il a vu une émission de Robert T. Kiyosaki, n'est-ce pas? Il a vu ça, il s'est souvenu qu'il avait... Et une chance, le livre était resté au Cameroun. Hein? Il a demandé qu'on lui envoie ce livre-là. On lui a envoyé ce livre-là, c'est à ce moment-là qu'il a lu ce livre. Donc, parfois, je me dis, le plus important n'est pas que parce que tu as donné le livre à la personne qu'il l'ait lu tout de suite. Ne nous prenons pas la tête avec ça. S'il ne lit, et parfois, s'il lit tout de suite sans comprendre l'intérêt, l'importance, ça va passer. Il va le lire comme un roman. Mais quand il va voir le déclic là, il va aller chercher ce livre-là, il va le lire. Et quoi de plus beau que vos enfants, c'est-à-dire vos propres enfants? Vous savez, parfois, vos enfants, ils n'ont pas le temps de ce que vous faites, ils sont préoccupés par ci, par ça, et qu'ils prennent le livre pour lire dans lequel ils voient toute une histoire comme celle-ci, les combats que vous avez menés, et ci et ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez que la problématique importante que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas ces écrits-là de notre propre histoire. L'ancien président français avait dit qu'il allait lever, n'est-ce pas? Il allait donner la possibilité qu'on puisse avoir accès à nos archives, non? Mais jusqu'ici, les archives sont classées, n'est-ce pas, comme des documents secrets. On n'a pas accès à ça, à nos archives sur notre plan historique, l'histoire de notre pays. Des petites brochures qui ont été écrites quelque part, on ne sait pas. On n'en a pas. Donc, quand on peut avoir des éléments comme ceci, je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on est en train de faire. Agnès, moi, quand je vois ça, c'est, je ne sais pas. Je dis juste que, écoute, continue. Si tu peux, même aux 2-3 mois, même aux 1 an, même, vas-y. Tu as des thèmes qui t'inspirent beaucoup plus, tu te concentres là-dessus, tu écris. C'est très, très bien. Ça peut ne pas faire un déclic tout de suite, mais je vous dis, les 5-10 prochaines années, vous allez être surpris du fait que les gens soient en train de lire, en train de lire. On est en train de semer une grosse graine là, une grosse, grosse graine, avec tout ce qu'on est en train de faire comme tapage au niveau de l'écriture. Donc, écris seulement, puis laisse là et on va voir les retombées. Vous allez être surpris de vous voir citer un peu partout, dans plein de choses, d'impacter véritablement la vie des gens, que ce soit dans la communauté ou alors que ce soit en dehors de la communauté. Parce que nous, hein, si on s'est abreuvé, n'est-ce pas, de tous leurs livres, des Américains et tout, c'est parce que c'est l'unicité de l'humanité, en fait. Les problèmes que nous avons, les résoudre sont de la même façon. Ils sont toujours en nous. Qu'on soit blanc, noir, vous savez qu'on n'a pas ce genre de problématique-là qui est bien. Donc, vraiment, merci beaucoup. Chapeau bien bas, n'est-ce pas, pour ton travail. Et félicitations à tous qui sont en train d'écrire ou qui l'ont déjà fait ou qui pensent le faire, ceux qui ne l'ont pas fait. Autant que faire se peut, c'est sûr que tout le monde ne deviendra pas des écrivains. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais ceux qui ont la possibilité, le talent de le faire, n'hésitez pas. D'autres sont en train de faire, mener d'autres combats ailleurs. Si vous sentez que c'est le vôtre, n'hésitez pas. Allons-y. C'est vraiment un nouveau vent qui est en train de souffler. Et vraiment, il faudrait qu'on le fasse. Non seulement c'est une thérapie, comme elle dit, parce que quand tu écris, tu te libères, tu te libères, tu te libères, tu te libères. Mais celui qui lit aussi, n'est-ce pas, est en train de lui aussi. Il se sert de ça. Et le livre, vous voyez comment le livre est. Il reste sur des siècles et des siècles. Un livre. Vous lisez les livres de 1800, 1700, 1000, une autre fois, on va parler, n'est-ce pas, on va parler de ça une autre fois. Je vais évoquer ce sujet-là une autre fois. Il y a une problématique là sur laquelle on doit tabler, n'est-ce pas, en tant que communauté. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas les choses tout de suite, à l'instant T, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça est en train de donner maintenant. Je vois simplement les problématiques qu'on est en train de résoudre sur du long terme. Donc, écrivons Mani. Du courage. Go, 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 go. Je t'attends J'attends ton livre à bras ouverts. C'est pour bientôt. Oui, je l'attends à bras ouverts. Dès que ça arrive là, fais-nous signe. Et puis, on viendra regarder à l'intérieur. On va voir ce qui s'y passe. Et autant que faire se peut. Mais je vous dis, ne vous découragez même pas parce que oh, vraiment, peut-être ça prend du temps ou bien... Non, 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 vous serez surpris. Vous serez surpris les 5-10 prochaines années-là.
il y aura quelque chose dans le domaine, n'est-ce pas, de l'écriture dans notre communauté. Il y a un éveil quand même, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Si on veut, on ferme les yeux, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire là-dedans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être parmi ceux-là qui sont en train d'apporter quelque chose d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment pérenne, c'est vraiment lointain. Oui, mais laisser sa trace, laisser sa trace. Oui, laisser surtout... il ne faudrait pas que ce soit juste une trace. Il ne faudrait pas. Il faudrait vraiment que ce soit... qu'on résolve... quelque chose qui sera une thérapie pour beaucoup. Parce c'est que ça. Qu'on résolve... Quand quelqu'un le met là, si elle a pu s'en sortir, pourquoi pas moi? C'est ça. C'est-à-dire que quelque chose avec des solutions, des recettes concrètes qui viennent, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, les uns et les autres à pouvoir se motiver, à pouvoir... Aujourd'hui, nous nous identifions tous. Hein. J'ai suivi quelqu'un qui est en train de s'identifier à... comment on appelle la dame là? La femme des États-Unis là. Et tout. J'oublie. Pourquoi j'oublie son nom? La riche femme des États-Unis, là. Oprah. Oui. C'est ça, qui est en train de, n'est-ce pas, s'identifier à Oprah par rapport à ci, par rapport à ça. Écoutez, demain après demain, il faudrait bien qu'on s'identifie à Lina, qui, n'est-ce pas, avait, tu comprends, c'est l'unicité de l'humanité. C'est un peu tout ça. On écrit aujourd'hui, là, tu écris aujourd'hui, c'est peut-être pour la jeune petite fille qui n'est même pas encore conçue, qui n'est même pas encore née. Qui va naître et qui va tomber sur ce livre et ça va changer complètement tout dans sa vie. Et elle va, tu seras même dans ta tombe, mais tu seras constituée comme son mentor. Elle va dire, mon mentor, c'est... comme on dit aujourd'hui, on a des mentors aujourd'hui, j'ai dit, n'est-ce pas? Comme j'ai l'habitude de dire, n'est-ce pas, mon mentor dans toutes ces affaires-là, en termes de livres, en termes de celui pour qui c'est Napoléon, je le connais où? Je l'ai vu où? Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que n'hésitons pas de prendre sur nous, d'écrire ce que nous connaissons, ce que nous pensons qui est quelque chose qui peut aider les gens, les solutions que nous avons. Moi, je le connais, je ne sais même pas. Est-ce qu'il, quand il écrivait son livre, réfléchissait et devenait riche, il soupçonnait qu'il devait avoir comme moi qui, un jour, combien d'années plus tard, vous voyez? Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je voudrais qu'on se concentre en voyant un peu, n'est-ce pas, on est dans la richesse générationnelle. Hein? Donc, en voyant un peu ce futur, ce développement durable-là. Donc, essayons de nous inscrire dans ce sens-là quand on pond un livre comme celui-ci. Donc, merci beaucoup, beaucoup à tout le monde qui a pris la peine de venir. On va le mettre sur YouTube, comme vous savez. Et puis, allez écouter, allez, n'est-ce pas, liker, comme on a l'habitude de dire. Allez, n'est-ce pas, vous abonner. Ça va nous faire du bien de savoir qu'on a une communauté qui grandit. Et puis, progressivement, on va la bâtir ensemble. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Bon vent à toi. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. De rien.